Bonjour, nous avons le plaisir de présenter à l'ISE toute notre nouvelle gamme de processeurs, dont le principal élément est l'ISP, donc Immersive Sound Processor, qui est un produit spécialisé dans le son immersif, qui supporte de 16 à 32 canaux et également qui est compatible avec tous les standards audio du moment, donc Auro 3D, Dolby Atmos et DTS:X. La particularité de ce produit, c'est d'être fully scalable, c'est-à-dire adaptable à la configuration et aux besoins du client. On verra ensuite qu'en regardant le back panel, l'arrière de ce produit, il est complètement modulable, soit à la factory, à la fabrication, soit sur site. Ce qui permet d'adapter exactement aux besoins du client et il supporte absolument tous les types de connectivité actuelles. Quand on dit modulable, on entend par carte ? Oui, on entend des cartes qui peuvent être ajoutées ou enlevées et qui adaptent le produit aux réels besoins du client. Donc la plateforme de base est une plateforme numérique de décodage sur laquelle on trouve systématiquement 16 canaux de décodage et tous les supports de tous les formats audio. Et après, on peut moduler les entrées-sorties en fonction des besoins du client. Et ensuite, sur site, il peut être upgradé. Allons voir le panneau arrière. Donc vous comprenez pourquoi nous avons choisi un format, ce qu'on appelle 4U en termes de rack, puisque la face arrière est bien remplie. Donc en standard, nous avons 16 canaux de sortie systématiquement XLR pour la qualité de son, donc en sortie balance, une carte HDMI, 8 entrées, 2 sorties, et toutes les entrées et sorties traditionnelles, numériques, analogues et digitales. Une carte optionnelle pour étendre le produit à 32 canaux analogues. Une carte optionnelle de sortie digitale, donc on peut avoir les 32 sorties en digital AES, et une carte digital cinéma in, en particulier sur toutes les grosses installations à Hollywood. Les clients maintenant achètent des digital cinéma pour voir les films dès leur sortie, et donc on est capable de connecter ce produit directement à un décodeur cinéma qui est considéré comme une entrée standard. Et là, une option intéressante qui est ce qu'on appelle le dual theater, c'est-à-dire que nous avons dupliqué les 16 canaux de sortie. Même si on peut faire qu'un décodage à la fois, on peut gérer deux zones ou plusieurs zones. Donc ce produit, quand équipé comme ça, a 48 sorties qui peuvent être complètement modulées, soit dans un super home cinéma, soit dans plusieurs théâtres différents, et qu'on peut switcher en tant qu'utilisateur en fonction de l'endroit où on souhaite avoir le fonctionnement du home cinéma. Donc ce produit a obtenu le best of the show à la fois au CES et à l'ISE, et est considérée aujourd'hui comme la machine la plus flexible et adaptable du marché. Notre target n'est pas de fabriquer une Rolls-Royce ou une Aston Martin, mais plutôt de devenir un équivalent, si on considère les voitures d'un Audi ou un BMW, avec les classes C, E et S. Donc on fournit des produits très haute qualité, fabriqués en France, dans une usine en Bretagne. Donc 100% designé et manufacturé en France, et qui offre un panel de prix du processeur entre 10 000 et 20 000 euros en fonction des différentes options. Disponible aujourd'hui ? Oui, l'ensemble de la gamme est disponible, donc, ainsi que les amplis de puissance associés. Nous avons des 8 et des 16 canaux intégrés qui permettent d'avoir dans une dimension très très compacte beaucoup de puissance disponible. Est parfaitement compatible avec ce produit-là. Tous nos produits sont aujourd'hui disponibles et ship à partir de la Bretagne. Donc, comme diraient les Américains, proudly made in France.